Coucou, bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous vous préparez pour la fête de ce soir, hein, ou pas. Moi, je suis envoyée par Engie parce que Engie, elle est partie se faire une beauté pour ce soir, hein, parce qu'elle soir, elle soir, ce soir, ce soir, elle sort. Hein. Elle sort et donc elle est partie se préparer. Elle m'a chargée de vous occuper pendant ce temps-là. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Hein, on va passer le temps. Hein. Alors, on va passer le temps. Mais avant de passer le temps, alors elle m'a dit de vous représenter la petite carte que vous aviez fait. Hein. Vous avez fait ça ce matin de bonne heure. Hein. C'est pour ça qu'elle était un petit peu fatiguée. Et elle s'est dit que pour passer la fin de journée. Elle était obligée de faire sa petite sieste, elle va en faire plusieurs. Hein. Et alors, elle va aussi se faire une beauté, hein, se faire très très belle. Voilà. Alors, elle m'a dit, tu les occupes, hein, tu fais comme tu peux. Alors déjà, on va faire une petite carte pour la nouvelle année. Hein. On en a fait une, on en fera deux, on en fera trois. Jusqu'à ce soir. Alors là, vous avez Angelo, il y aura Angela, et puis je crois que c'est tout. Hein. Toute la famille est réunie ce soir. Et. Alors donc, je sais c'est n'importe quoi, mais attendez, moi j'essaie de remplacer NJ comme je peux. Hein. Alors donc, elle m'a dit, tu fais qu'est-ce que tu veux. Alors moi je me suis dit, eh bien déjà on va commencer par, il va falloir souhaiter la bonne année à tout le monde. Alors ça c'est quelque chose que ni NJ, ni Angela, ni moi, Angelo, n'aimons ça. Nous n'aimons pas, nous n'aimons pas. Alors, nous n'aimons pas, mais il faut le faire, vous savez. Là, il faut être poli dans la vie. Alors, pour être poli, prenez la ponceuse, n'importe quoi. Hein. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle s'est dit qu'est-ce qui s'est dit, Angelo? Attendez, il faut que je m'habitue. Alors, elle s'est dit, on va prendre déjà, vous savez, une pancarte. On pourrait se promener avec une pancarte comme ça sur nous, bonne année, hein, à se faire un sandwich. Vous savez, comme aux États-Unis, vous faites une pancarte sandwich comme ça, bonne année, bonne santé. Et puis vous tournez comme ça, vous promenez dans les rues. Et ben il y a bien des gens qui font des câlins comme ça dans la rue. Câlin gratuit ou je sais pas quoi. Câlin offert, machin. Bon, souhait offert, hein, c'est pareil. Hein, vous mettez. Oui, hein, vous faites des trucs comme ça. Et puis les gens, ils sont contents. Hein, tu sais. Alors moi, je ne vais pas faire des câlins. Mais j'aime pas faire des câlins. Non, j'aime pas. Alors, j'aime pas. Donc, je vais mettre sur ma porte. Sur notre porte, nous allons mettre une couronne. Une couronne de Noël qui sera de bonne année. Hein? Alors, qu'est-ce que vous faites pour ça? On n'a pas que ça à foutre. Hein? Non, on n'a pas que ça à foutre, mais il faut ce qu'il faut hein, dans la vie. Il faut ce qu'il faut. Alors, vous prenez votre couronne de Noël que nous, on n'a pas mis parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas que ça à foutre. Hein? Ben, on n'a pas que ça à foutre. Hein? Alors, déjà, parce que c'est déjà le 1er janvier. Hein? Ben, demain. Hein? Si. Alors, vous prenez la couronne de Noël. Vous prenez la couronne de Noël. Vous voyez? Ouais, moi, je vais aller la mettre tout à l'heure. Je vous ferai une jolie photo. Hein? Une jolie vidéo, je ne sais pas, on verra, hein, on verra suivant. Et alors, vous avez donc, alors, si vous avez votre couronne de Noël, moi, il est là, le nounours. Hein. Alors, le nounours, il a les boules, non, il a plus les boules, on lui a retiré. Tu sais, on lui a retiré les boules, il a plus les boules, il a plus les boules, il est castré, le machin. Il est castré. Alors, au lieu de mettre Joyeux Noël, vous mettez joyeuse année, hein. Belle année, bonne année, bonne santé, hein, poil au nez. Alors. Un poil à moustache. Je dis n'importe quoi. On s'en fout. Bon, on s'en fout. Alors, on prenez donc, je vous fais un tuto de couronne de bonne année. Hein. Puis vous dites que vous êtes content. Après, nous ferons une carte bonne année. On va faire un truc comme ça, un panache de bonne année. Voilà. Alors, vous prenez votre couronne de Noël, je disais. Je ne sais pas ce que vous avez mis au milieu. Si vous n'avez rien mis au milieu, hein, vous mettez un bandeau, un papier comme ça, collé derrière comme ça là. Faites ça, hein. Mettez un bandeau, hein, toi, casse-toi. Mettez un truc comme ça en plein milieu, et là, vous mettez le sentiment bonne année, comme ça, tout le monde, il est content, hein. Vous voyez, tout le monde, il est content. N'oubliez pas de retirer bon Noël, car bon Noël, c'est périmé. Vous avez, moi, je vais le laisser, lui, hein, je vais le laisser, enfin, c'est pas grave, il n'y a pas de boule, hein. C'est une couronne de l'année papillon. C'est l'année papillon, et dessus, vous allez mettre un sentiment bonne année. Moi, je ne vois rien, j'ai une lunette de soleil. Oh, je vous raconte, c'est joyeux. Alors comme Angie, elle est très 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 occupée. Vous savez que c'est pas facile de parler avec des moustaches. Je sais pas comment ils font, ceux qui ont de la barbe et tout ça. Je ne sais pas. Moi, je me suis dit, je laisse que la moustache parce que j'ai déjà du mal à parler avec une moustache. Alors avec une barbe, je sais pas. Je ne sais pas. Enfin bon. Alors c'est pas le but de la conversation là. Bah, je converse toute seule, j'ai tout à fait le droit de converser comme je veux. Alors, on était en train de se promener avec Joy parce qu'il fait beau.
Il fait, enfin, bon, ici, là, il fait très beau. Hein. Et alors, il fait très beau. Et alors, on s'est dit, on va faire une balade comme ça. Et alors, il y avait le soleil, le ciel bleu. Il y avait le ciel bleu, il y avait le soleil et tout ça. Et je vous assure, c'est vrai ce que je vais vous raconter. C'est toujours vrai ce que je vous raconte, c'est. À part toutes les conneries que je raconte. Mais en général, c'est vrai. Et en particulier, faut voir, faut trier. Mais non, c'est vrai. Alors donc, ce que je voulais dire, on était en train de se promener comme ça tranquillement et il faisait un temps magnifique. Enfin, il fait un temps magnifique. Et alors, j'étais en train de parler comme ça à moi-même. Je me parlais, puis j'étais en train de dire, elle est quand même belle la vie. Hein. On est réveillon, hein. On est en train de se promener, on est en bonne santé, il fait beau, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Franchement, c'était magnifique. D'un seul coup, je vous assure, c'est vrai, j'étais en train de dire, c'est merveilleux, il fait beau et tout, c'est superbe. Une giboulée de grêle. Ah, mais il est tombé de la grêle, mais un truc de fou. Un truc de fou, il a grêlé comme ça d'un seul coup, hein. Alors bon, je me suis dit, Angie, Angelo, Angela, ferme ta gueule. Parce que chaque fois que tu dis un truc, il se passe un truc. Alors, je vous assure, c'est vrai. La grêle, la grêle, la grêle. Et alors, bon, bah, je me suis tue et alors la grêle s'est arrêtée. Moi, bah, je sais bien qu'on est des sorcières. Alors, je ne sais plus, je tue, il, nous, on ne sait plus, on s'en fout. Hein. Allez, donc vous prenez votre couronne de Noël. Nous allons la transformer en couronne de bonne année. Alors, pour ce faire, vous prenez un bout de papier, je ne vois rien. On va mettre les lunettes de. Hein. Bon, si. Je vais mettre mes lunettes de pas soleil, hein, de, parce qu'il mes lunettes de grêle. Alors, je mets mes lunettes de grêle. Et là, je prends un papier. Alors, j'ai rien. Non, c'est ça. Je prends un papier. Alors, donc, pour ce faire. Attendez, parce que c'est un peu le bazar. Alors, je vais prendre un papier comme ça. On prend n'importe quoi, on s'en fout. Hein. Ouais, on s'en fout. Bon. Alors, on prend ça, on prend une chute de papier. Pour ce faire, je vais donc faire un petit. Je vais prendre un sentiment. Un sentiment bonne année. Bonne année, comme ça, là, tampon bois. Il est magnifique, il est superbe. Je prends de la Versatine comme ça. Hein. Je tamponne. Je mets de l'encre sur mon tampon bonne année. Et là, tout d'un coup, hein, soudainement, je tamponne bonne année. Voilà. Voilà. Il est très beau, hein, ce tampon-là. Il est magnifique. Je l'ai depuis plusieurs années. Hein. Plusieurs années. Et là, hop, c'est bon. Hein. On est content, 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 content. Voilà, ça c'est bien. Et là, je coupe. Hein, je coupe le sentiment. Hein. Voilà. Je zoome un petit peu, c'est pour que vous voyez ce que je fais. C'est tellement magnifique. Hein. Regardez, c'est beau. Hein. Alors, donc, nous prenons ça, nous faisons ça. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Bonne année, bonne santé. Vous pouvez écrire un roman. Hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Moi, pour l'intention d'écrire un roman. Mais si vous avez envie d'écrire un roman, bien évidemment. Regardez, il est beau, hein, magnifique. Et là, c'est le nounours qui va tenir le bonne année. Hein. Regardez, vous le foutez là, là. Vous le foutez là, comme ça, là, en plein milieu. Alors, on pourrait percer, ouvrir. Hein. Enfin, je vais faire ça, tiens. Je vais lui ouvrir les. Vous savez bien que j'ai l'habitude de couper des trucs. Je vais lui couper des trucs. Je lui coupe des trucs et puis je lui fous des machins dedans, dans les mains. C'est pour qu'on les voie, ses papates. Hein. J'ai envie qu'on voie ses papates. Mais si on voit ses papates, après on ne voit plus. Alors attendez, oh, je fais ce que je veux. Hein. Non, mais dis donc, c'est mon truc à moi. Mon truc à moi. Alors, je vais l'ouvrir comme ça. Je vais le fendre. Je vais lui fendre le. J'ouvre comme ça. J'incise. Alors, j'incise. Alors, j'incise comme ça. Là. Je lui fais une. Ça, c'est comme quand vous voulez mettre des photos là. Hein? Comme ça, le nounours, là, vous pouvez mettre les sentiments que vous voulez quand vous voulez. Après, la prochaine fois, il mettra un autre. Il dira autre chose. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites que vous voyez ce que je veux dire. Hein? Vous incisez comme ça, regardez, c'est facile. Hein? Vous incisez comme si vous vouliez mettre une jolie photo, comme ça, là. Hein? Et puis voilà, puis vous dites que vous êtes content. Merde, hein, c'est peut-être un peu trop incisé. J'ai dérapé. Ouais, j'ai dérapé. Hein. Alors, on s'en fout. Alors, de toute façon. Alors, il est très beau ce nounours. Alors, attendez, j'y arrive pas. Parce qu'il est accroché. Hein, si, il est accroché à la couronne, là. Il a peur de partir, quoi. C'est ça. Alors là, hop, hop. Hein, vous faites ça. Regardez, c'est très beau. Hein, c'est très magnifique. Hein. On voit toujours pas ses mains, mais on s'en fout. C'était juste comme ça pour dire. Hein. Alors, faites voir. Ouais, c'est bien comme ça. Hein. Je vais faire une petite incision là aussi. Hein, parce qu'il tient pas bien, bien. Hein.
Voilà, hop, et puis là, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas que ça s'envole, hein, s'il y a de la graine. Alors, attendez, parce que c'est pour bien, ça. Hop là. Là, vous faites ça. Vous accrochez donc le sentiment. Mais vous pouvez le coller, hein, vous vous embêterez moins, hein, mais c'est ça. Voilà, regardez, c'est très magnifique, hein. C'est très beau. On voit ces papates là, hein. Je suis très contente, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'on voie qui tenait ça. Non, comme ça, je suis très heureuse. Hein, voilà. Voilà, et là, pourquoi ça rentre pas? Voilà, voilà. Oh, c'est très joli. Oh, c'était tout mignon. Voilà. Hein, et comme ça, petit machin. Regardez, hein, c'est joli, hein. Regardez. Bonne année. Et... Alors attendez, moi je l'ai un petit peu cabossé. Oui, on s'en fout de toute façon. Ah voilà. Alors attendez, parce que j'ai l'impression d'avoir des pieds à la place des mains. Voilà, et voilà. Hop, c'est très heureuse. Alors, une fois qu'il a mis son sentiment, eh bien, vous pouvez aller remettre ça sur votre porte. Regardez, hein, bonne année. Comme ça, c'est bien, hein. Vous faites ça, puis vous dites que vous êtes content. Comme ça, on vous fout la paix. Vous souhaitez, ils n'ont pas besoin, hein, vous n'avez pas besoin de le répéter tout le temps. Hein, si vous disent, bah tiens, t'as pas souhaité à bonne année, bah, tu leur dis, vous leur dites, tu sais pas lire, c'est marqué sur la porte. Hein, c'est bon. Hein. Voilà, vous faites croire que vous avez mal à la gorge. Hein, ouais, ou un truc comme ça. Bah, vous avez le droit d'avoir mal à la gorge. Hein, attendez, je le remets correctement, il ne me plaisait pas tellement. Hein. Ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Hein. Ah là là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Alors, il y a un petit peu de. Une petite trace de je sais pas quoi là, c'est quoi ça? Ah oh mince, j'ai arraché le nœud. Ah bah voilà, pas ça ce que c'est. Je vais arracher le nœud. Oui, bon, c'est pas grave. Hein. Il n'a plus de bout, il n'a plus de nœud, il n'a plus rien. Bon. Voilà, si. Bon, allez. Voilà, j'irai mettre ça sur la table. Sur la table. Ouais, c'est ça. Sur la porte tout à l'heure. Ah, puis on dira qu'on est content. Alors, ça c'est fait. Ah voilà. Ensuite, on va faire une petite cartounette. Alors, mais si. Allez, on fait une petite cartounette et puis on va se quitter. Hein. Enfin, on se retrouvera peut-être. Hein. J'en sais rien, ça dépend. Alors, je vais peut-être ouvrir les volets. Hein. Ouvrir les volets. Et ne plus jamais. J'ouvre les volets parce qu'il fait un peu nuit quand même. Alors, je voulais fermer les volets, c'est pour garder la chaleur hein, parce que ça coûte cher. C'est l'horreur. Enfin, vous avez compris. Ils m'ont envoyé un. Je vous raconte ma vie. Oh, il y a un de ces bons. Voilà, je vais faire ça. Ça ira bien. Ah, ils m'ont envoyé un message. Ah, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Ils m'ont envoyé un message en me disant qu'ils allaient changer les fenêtres et les portes ici. Je suis très heureuse, hein, oh là là, je suis très heureuse de savoir ça. Hein. Ils vont changer, alors il faut que je sois à leur disposition hein, et que je libère les portes et les fenêtres, qu'ils soient dégagés de toutes choses, hein, comme si on mettait des trucs devant les portes et les fenêtres. Hein. Enfin, bon, ouais. Enfin, c'est gentil de nous le dire quand même, parce qu'on ne sait jamais des fois qu'on soit un peu con. Alors, donc, je vois rien du tout avec les lunettes de soleil. Alors, bah non, parce qu'il n'y a pas de soleil. Alors, quand il n'y a pas de soleil, je vous déconseille les lunettes de soleil. Hein. Je vous les conseille quand il y a du soleil. Alors, ensuite, donc, on a dit. Je vais faire une petite carte comme ça, toute mignonne. Hein. Alors, nous allons. Je vais utiliser les choses que vous m'envoyez. Et peut-être par là même vous donner des idées. C'est cela. Alors, je vais prendre une base blanche. Pourquoi blanche? Parce que c'est beau le blanc. Le blanc, c'est la pureté, c'est l'innocence. Hein. C'est très beau le blanc. Allez. C'est juste son prénom et c'est le blanc. Juste le blanc. C'est juste le blanc, vous avez compris? Alors, dîner de con, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que je me suis marrée? Ce film-là, c'est pareil. Hein. C'est vrai, c'est du vu, du revu. Hein. Mais bon, on est un petit peu maso, on aime bien. On aime bien. Allez, hop, on coupe en deux, on a deux cartes. Hein, deux pour le prix d'une. Alors, donc, tiens, il y a des fleurs, hein, j'avais oublié qu'il y avait des fleurs. C'est très beau, ça aussi. Hein. Alors, je plie en deux. Ah, j'espère que ça va. Attendez, je crois que ça va pas aller. Non, je crois que ça va pas aller. Si ça va pas. Non, c'est parce que je voulais utiliser ce que vous m'avez envoyé là. Vous m'avez envoyé ce joli grillage, il est magnifique. Est-ce que c'est bien? Eh bien, c'est bien. J'ai pas fait exprès. Hein. Bon, j'ai pas fait. Bon, en même temps, c'est des tailles standards, les dailles. Donc, regardez, je vais utiliser ça. Vous dites, c'est beau, hein? Alors, je vais faire ça. Et puis, vous voyez, là, il y a un cadran. Ça fait un cadran, cette découpe. Elle est magnifique, hein? C'est très beau. Il y a un cadran. Et alors, on va mettre l'heure. On va mettre l'heure. Alors, si on va mettre l'heure à minuit, hein, minuit, paf, ça pète, hein? Alors, on fait ça, vous collez ça, hein, vous vous débrouillez, hein, vous collez ça. Alors, qu'est-ce que je fais?
Je vais le coller avec la colle, c'est bien. Ah non, j'utilise pas cette colle-là, je vais en avoir partout encore. Il faut que je... Enfin, j'essaye ici. Si... Non, elle est vraiment bien. C'est pour... Je l'aime bien, mais alors je ne sais pas m'en servir. Non, je ne sais pas m'en servir. Hein. Je sais pas m'en servir. Chaque fois que je veux m'en servir, j'en fous partout. Hein. Je sais pas comment je me débrouille. Alors, donc, tiens, voilà mon bébé. Hop là. Coucou mon amour. Tu t'ennuies tout seul? Bah, c'est normal, tu t'ennuies sans moi, hein, c'est ça. La fille, la grosse mytho. C'est ça. On a mangé à midi là. Moi, j'ai préparé le feu d'artifice de ce soir. Si, j'ai préparé le feu d'artifice de ce soir. Je me suis préparé des côtes d'agneau et des faillots. Bah, moi, j'adore les côtes d'agneau. Hein. C'est mignon les agneaux. Hein. C'est très mignon. Alors, c'est encore plus mignon dans l'assiette. Hein. Oui, je sais. Vous me détestez. Tous ceux qui aiment les petits animaux. Moi aussi, j'adore les animaux, mais j'aime bien manger aussi. Là, c'est pour ma faute. Puis de toute façon, je n'ai pas vu l'agneau. Non, du moment que je ne les connais pas, ça va. Non, c'était tout mignon, mignon. Mais par contre, c'était très bon. Hein. Les petits côtes d'agneau comme ça avec des faillots, c'est très bon. Et alors, ce soir, c'est feu d'artifice. J'ai le droit de me faire un feu d'artifice à moi-même. Hein. Et donc, voilà. Et puis voilà. Et puis, j'ai racheté un poulet pour demain. J'ai le droit. Hein. On se fait un poulet pour le 1er janvier. Hein. On aime bien, nous, le poulet. Alors, je mets un peu de colle par-ci, un peu de colle par-là. Alors, si vous n'avez pas cette grille là, ben vous n'avez pas, c'est pas grave, mettez autre chose, hein. Mettez une base de papier, n'importe quoi, n'importe quoi, hein. Ben oui, vous mettez n'importe quoi, on s'en fout. Vous faites la base de vos rêves, hein. Vous pouvez même embosser une feuille, vous pouvez faire plein de choses, hein. C'est très beau, hein. Vous pouvez faire n'importe quoi, hein, ce que vous voulez, quoi. Moi je fais la simple, non mais moi c'est pour me servir de ce que vous m'envoyez, hein. Ben, vous m'envoyez des trucs, c'est pour m'en servir, j'imagine, hein. C'est pas pour les regards, c'est très beau, rien que comme ça déjà ça suffit rien. Allez, ça commence, j'ai de la colle partout, ça y est, je sais pas pourquoi. Pourtant, je sais pas, enfin bon. Alors, on colle ça. Ensuite, on prend nos découpes de pendules. Vous en avez tous, c'est sûr. Oh, j'en suis sûre, vous les avez parce qu'en fait, moi, elles sont toutes prêtes parce qu'on les a offertes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on en a tous parce qu'il y en avait chez Action aussi. Comme ça. Alors, chez Action, je crois qu'il y a le die comme ça de la pendule, mais il n'y a pas les aiguilles. Eh ben, c'est pas grave! Hein, les aiguilles, vous en faites hein, des aiguilles, vous faites deux petits bouts de machin et puis ça y est. Hein. Alors, vous y allez, là, elle n'est pas à minuit, non, elle n'est pas à l'heure cette pendule, hein, c'est nul. Hein. Et bien, qu'est-ce que vous faites? Vous retirez les machines, hein, vous les retirez. Hein. Alors, moi, je les retire. Hein, et hop, je retire les aiguilles. Alors, je retire les aiguilles. Je retire, hein, je les suis, je fais ça, et hop, là. Hein. Alors, on retire. Je laisse le milieu là, le petit rond. Vous savez, je laisse le machin du milieu. Alors, elle va se barrer, hein, bien sûr. Voilà, hop là, c'était prévu. C'est tout à fait normal, c'était normal. Et alors, vous retirez les aiguilles. Et vous faites ça. Et alors, j'ai chaud. Hein. Et alors, je vais mettre ma pendule ici. Regardez, ça va faire très beau. C'est magnifique. Hein. Donc, vous mettez. Alors, vous faites attention que le 12, il soit en l'air. Alors, le 12, il est là. Vous faites attention à l'heure. Mettez pas la pendule comme ça. Le 12 ici, ça n'existe pas. Faites gaffe. Vous mettez le 12 en l'air hein, et les fourmis par terre. Le 6 en bas, le 12 en haut. Hein. Si vous ne savez pas écrire 12, attendez, parce que mettez pas ça 12 comme ça, parce que là, c'est pas 12. Hein. Non, c'est pas 12. Comme ça, c'est 12. Hein. Le X, X, XV, X2, XII, ça fait 12. Hein. Vous ne trompez pas de sens. Tout ça, ça semble un peu machin. Mais alors, c'est des petits détails qui font que votre carte, l'effet minuit peut être raté, hein, si vous ne mettez pas la bonne heure au bon endroit. Hein, voilà. Alors, vous faites ça. Ça va, mon amour? Voilà, hein, vous en foutez partout sauf sur le cadran. Et là, vous mettez le 12 en l'air. Mais si vous voulez pas le mettre en l'air, vous ne mettez pas en l'air. Vous faites bien ce que vous voulez. Hein, c'est comme d'hab. Moi, je fais ça. Moi, je mets en l'air parce que c'est mon choix. Voilà. Regardez, hein, c'est très beau. Maintenant, on le met à l'heure. Alors, déjà, on remet le rond au milieu. Là, on remet ça au milieu. Là. Alors, au milieu, enfin, au milieu. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Nan. Oh là là, ça y est, il y en a trop. Il y en a trop. Hein. Alors, vous remettez le truc là. Et vous mettez minuit. Mais minuit une, par exemple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre minuit, minuit, minuit. Hein. Mettez l'heure que vous voulez, de toute façon, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Hein. Alors, un peu d'heure. Alors, la petite trotteuse et
La grande aiguille et la petite aiguille. C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est moi le grand et c'est toi le petit. Nani, 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 nani. Hop là, regardez, il est minuit bientôt. Hein. Vous faites ça. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas un die comme ça magnifique de minuit, mais alors c'est pas grave non plus, hein, vous en faites un. Hein. Vous en faites un, vous faites deux cercles et puis vous mettez manuellement les X2, X, 1i, 2i, 3i, 4i, 5i, 6i. Hein. Zizi, ça. Hein, vous avez compris? Vous faites vous-même. Hein. Oh là là, c'est quand même pas compliqué de faire une pendule. Hein. Bon, moi c'est sûr, hein, je crâne parce que j'ai tout. Hein, j'ai tout. J'ai rien, hein, c'est ça. Non, c'est j'ai tout. Alors, hop, et donc là, je mets minuit, minuit une, un truc comme ça, on met l'heure qu'on veut. Non, je vais mettre minuit. Hein. On met minuit. Allez, on met minuit. Allez, hop là, regardez. Hop, on met à peine. Regardez. Oh, mince, le truc, il s'est barré. Non, c'est parce que ça colle au doigt. Ça colle partout. Hein. Allez, hop. J'ai le droit. Hein, je fais ce que je veux, de toute façon. Hop. Je mets à peine minuit. On met à peine minuit. On fait ce qu'on veut. Non, mais dites donc. Je mets l'heure que ça m'arrange. Je mets l'heure que ça m'arrange. Oh non, c'est très mignon. Hein, c'est super. Regardez, c'est joli, hein? Regarde. Ouais, c'est très beau, hein? Comme quoi, hein, on fait ce qu'on veut. Allez, ensuite, eh bien, on va décorer cette affaire. Hein. On va décorer cette affaire. On va mettre un sentiment bonne année. Bonne année, bonne santé, poil au nez. Allez, je vais mettre ça, moi. Je vais mettre ça là. Je l'avais préparé, vous savez, c'est un tampon comme ça en bleu. Moi, je vais faire ça. Vous dites que c'est beau, ça me fera plaisir. Ah, c'est quoi ça? C'est un petit nœud noir que j'ai piqué sur. Si, j'ai fait ça. Hein. Je suis très cruelle, moi, vous savez. Je vais mettre là, tiens. Oh, c'est tellement beau. C'est beau ce que je fais. Hein. C'est vraiment très très beau. Hein. Ou alors, je mets un truc comme ça là. Oh non, un nœud sur une pendule. Vous avez déjà vu ça, vous? Non, moi non plus. Qu'est-ce que je fais? J'en sais rien. Je vais faire ça. Et de voir si c'était beau en blanc. Oh, c'est beau en blanc. Hein. C'est très beau. Vraiment, vous avez compris, quoi. Allez, hop, moi, je fais ça. Hein, puis on dira qu'on est content, content. J'ai le hoquet un peu. J'ai un peu le hoquet. Alors, alors, vous mettez là. Hein. Bonne année. Si votre pendule ne vous plaît pas, vous mettez ça là. Regardez. Hop, hein, c'est très beau. Allez, j'ai mangé. J'ai beaucoup mangé. Hein. Alors, j'avais fait. Je suis toute seule. Donc, bah oui. Enfin, je suis avec mes bébés d'amour. Et alors, j'avais fait. J'ai acheté des côtes d'agneau. Elles étaient par 5. 5 ou 6, je ne sais plus. 5, attendez, j'en ai mangé 2, il m'en reste 3. Donc il y en avait 5. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Non, mais... Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Je voulais vous dire que j'en ai mangé 2, il m'en reste 3 pour ce soir. Hein. Ouais. Donc ça, on fait ça. Là, je vais mettre un petit nœud là comme ça. Un petit nœud, celui-là, tiens. Il était tout mignon, mignon. Hein. J'ai le droit de le piquer, hein. Je fais ce que je veux. Hop! Voilà, hop là, comme ça, là. Oh, c'était adorable. Hein. Voilà, on fait ça, et puis on est content. Hein. Puis après, on peut mettre. Ça va, mon amour. On peut mettre des petites strass de ci, de là. Hein. C'est pareil, c'est des choses que vous m'envoyez, c'est pour ça. Hein. Alors, un petit piqué, hein. Piqué, collégramme, bourré, bourre et ratatam. Alors, des bleus. Non, je vais mettre des mots. J'avais mis des bleus là, je vais mettre des bleus, des mauves. Ah bah tiens, je vais me mettre au milieu. C'est joli au milieu, regardez. Oh, c'est très beau. Je vais me mettre au milieu là. Je fais ce que je veux. Voilà. Très bien. C'est très bien, hein, c'est magnifique. Ça, c'est les bleus foncés, j'en veux pas. Je veux du bleu. Je veux du bleu. Ouais, non, il y en a trop. Hein, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, quand c'est trop, c'est trop pico. Non, je ne mets pas. Non, finalement, je ne mets pas, ça suffit. Bon, ben voilà. Hein, vous dites, c'est beau. Hein, voilà. Hein. Il est minuit, bonne année. Pouf, pouf, poil au nez. Il manquerait peut-être un petit papillon. Un léger petit papillon, par exemple. Hein. Je ne sais pas. Regardez, c'est beau si on fait ça. C'est très beau. C'est magnifique. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre un papillon là. C'est tout à fait discret. Ou alors, vous mettez autre chose, une fleur. On ne sait rien. Moi, ce que vous voulez. Hein, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah, ça suffit. On pourrait mettre. Ah, tiens, un petit papillon mauve là. Eh ben tiens, ça y est, je l'ai trouvé. Regardez, il était tout mignon là. On ne sait pas ce qu'il vient foutre là, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je vais le mettre quand même là. Il est là. Hein. Je vais le retirer lui. Non, finalement, j'en veux pas. Je vais mettre un petit papillon mauve. J'ai tout à fait le droit. J'ai le droit de changer d'avis, vous savez. Hop là, voilà.
Je veux de... Oh, c'est plus mignon, hein, c'est beaucoup plus mignon. Oh, c'est trop charmant. Si. On peut changer d'avis. Regardez, c'est beaucoup mieux. Hein. Ah, si, c'est beaucoup mieux. Peut-être la pendule en noir comme ça claque. Mais c'est pour... ça marque, hein, ça marque. Au moins, on voit la pendule. Hein. Celui qui la voit pas, c'est qu'il est aveugle. Hein. Alors, donc, ben, voilà, c'est tout. Hein. C'était tout. Bon, ben voilà, on se retrouvera peut-être plus tard. Hein. Voilà. Moi, je vais aller... comment dire? Oui, mon amour. Oui, j'arrive. Oui. Je vais aller voir si Angie est prête. Hein, hein. Je vais aller voir si Angie est prête. Et donc moi, j'y vais aller me préparer aussi. Il hein. n'y a pas de raison. Hein. Ce n'est pas que les mêmes qui font la fête. Hein. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un bel après-midi. Hein. Attention quand vous vous promenez, emmenez vos parapluies au cas où. Au cas où il y a une pluie de grêle. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt. Ciao!